Bonjour à tous, bienvenue aux Chroniques de Tricia. Je suis enchantée de revenir là, puisque dernièrement, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont succédés. Je n'ai pu faire de vidéos, d'émissions en direct. Veuillez me pardonner, mais vous savez pourquoi. J'ai toujours été là, en tout cas, pour vous envoyer tous les messages du Conseil arthurien que vous suivez avec amour. Et je voulais vous préciser, avant qu'on commence l'émission, avec vous avez pu remarquer mon remarquable invité, Umberto Molinaro, aujourd'hui. Je voulais vous dire que j'étais fière de vous, mes très chers amis, mes adorables amours, parce que je vois vos progrès. Vous rentrez de plus en plus au centre de vous-même et vous reprenez votre souveraineté et vous voulez être vous-même. Et ça me fait plaisir parce que vous commencez à vous réintégrer dans votre vie entièrement et pleinement. Et c'est ça la beauté de l'être, c'est qu'il faut vivre sa vie aujourd'hui, ici et maintenant, entièrement comme on est. Voilà, sans préjugés, sans se dire que quelqu'un est plus fort que vous, est plus grand que vous, etc., ou plus intelligent. Non, chacun est à sa place et tout est juste et approprié. Alors, sur ce, je remercie infiniment, mais vraiment, j'ai le cœur qui bat de recevoir Umberto Molinaro aujourd'hui ici au Chronique. C'est super parce qu'il a immédiatement accepté mon invitation et je sais que vous allez adorer l'écouter parce que parler des crop circles, c'est quelque chose de fantastique. En tout cas, Umberto, bonjour. Alors bonjour, alors c'est Tricia, hein, c'est ça? Patricia, c'est ça. Voilà. Eh bien écoute, oui, ben on va se tutoyer quand même, hein, c'est Si tu veux. plus facile pour, aussi pour nos auditeurs. Déjà, en plus que tu me fais autant d'honneur pour moi. Non, mais Bon, alors on va se tutoyer, c'est ça. vraiment un honneur. Eh bien, écoute, oui, je suis très heureux de rencontrer aussi donc toutes ces personnes qui te suivent. C'est toujours un plaisir de parler des crop circles parce que, bien sûr, les crop circles, c'est qu'un dessin dans les champs, mais quand on sait d'où ils viennent, là, ça prend de la dimension, Ah c'est oui. autre chose, hein. Donc, bien sûr qu'on va parler quelquefois, puis en plus on va parler de certains dessins. Bon, on n'est pas toujours même sûr que c'est des dessins qui ont été envoyés par les Acturiens. Bon, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est même qu'il n'y en aurait qu'un seul sur tous les crop circles et que des gens passionnés s'amusent à en faire. Bon, on n'en a rien à fiche. Rien que celui qui est derrière toi, déjà, c'est énorme. Ah Hein, ouais, moi, je avec résonne avec celui-là, il me... Ouf, comme ça. Oh, oui. 300, avec ses 309 cercles, non, plus que ça, 400 exactement, Ah oui, 409 cercles, oui, 409. incroyable. C'est facile, si tu veux, comme je travaille tout le temps avec la numérologie, c'est facile pour moi de retenir parce que je sais qu'il y avait 4, la terre, il y avait 9, le divin, et que 4 et 3, ça fait 13, et 13, c'était renouveau, tu vois. Et que dans ce crop circle, tu as des 13 partout. Il ne serait-ce que ces grandes spirales qui contiennent 13 grands cercles, et puis etc. Oui, Alors, oui. Ah oui, je vois que tu le montres dans mon livre. Ah oui, j'ai adoré en parler d'ailleurs parce que il est plein de. Voilà, il est sur la couverture. voilà. Alors, moi, voilà, il est là. Voilà, c'est le même, ici, là. Voilà. C'est le même, j'ai pris celui-là. Ouais, parce que, donc, dans le livre, dans l'un des livres d'Umberto, il faut préciser qu'il en écrit, il en a écrit quelques-uns. Il en est même en cours d'écriture d'un Ouais, il est prochain, là. fini, il est fini, il n'y a plus qu'un. Celui-là, les cercles dans la nuit. Ben oui, il y a des cercles dans la nuit, mais c'est plus que des cercles, comme tu dis, Umberto. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est clair. Et donc, c'est vrai que celui-là, il est imposant, il est parlant, moi, comment dire, il apporte comme des scintillements de l'ADN, des codes, des clés, plein de choses petites comme ça. Oui. Oui, Il est c'est inspirant. énorme. Et, il parle à celui qui veut bien entendre sur des niveaux différents. Tu vois, rien que le fait de. Bon, d'abord, bon, il tourne dans la lumière, comme on le voit, et dans le sens inverse de. Et il y a 6 fois 13. Tu vois? Et alors, moi, 6 fois 13, ça m'a éclairé tout de suite, parce que je me suis dit, quoi, quel rapport? Souvent, on parle de 13, le 13, mais à Fatima. C'était 6 apparitions et à chaque fois le 13
pourquoi tout ça, tu vois. Et bah, tu peux remonter. Puis alors, c'est génial parce que en travaillant du coup sur Fatima, sur ces 13, ça a commencé le 13 mai jusqu'au 13 octobre, tu vois. Et puis quand tu fais le compte, devine combien il y a de jours entre la première apparition de la Vierge et la dernière apparition. Eh ben, il y a, si je compte bien, à peu près donc 5 mois, à peu près 5 fois, eh ben, il y a exactement 153 jours. Ouf. Et 153, tu as compris, c'est le nombre de perles qu'il y a dans le. Dedans. Ah oui, c'est vraiment très significatif. Il y a 153, je vous salue Marie. Tu vois, c'est fabuleux, quoi. C'est pour ça, c'était le 13 mai, ça ne pouvait pas être le 13 avril. Sinon, ça ne marchait plus. Voilà. Il y a plein de choses, quoi. Avec les codes, tu peux sauter sur autre chose, quoi. Tu vois. C'est ça. C'est des codes, des clés, des messages, rien que par la présence, le jour choisi. C'est bien, bien ciblé, en tout cas. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Umberto Molinaro, je vais parler un petit peu de lui rapidement, parce que tout le monde, évidemment, sur ma chaîne ne connaît pas Umberto. Et ils peuvent avoir déjà entendu parler des crop circles dans mon premier livre « Rencontre avec Jaurès », puisque comme je parle évidemment des Arcturiens, on sait que les Arcturiens, du moins moi je le sais, j'en suis persuadée, font de la communication donc par voie télépathique, mais également en faisant des marquages au sol avec donc les crop circles. Et Umberto, donc entre autres, c'est un enseignant en architecture qui a eu une carrière dans ce domaine pendant une trentaine d'années. Et un jour, Umberto a découvert lors de la lecture d'un livre de Greg Braden en 1998, il est tombé sur son livre, je crois, « Est-ce que c'est bien l'éveil du point zéro au point zéro ?» Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Ah, t'es d'accord. Bien renseigné, hein. Ah, mais je prépare. Et donc, dans ce livre, Umberto va voir une image d'un crop circle. Et ça va marquer sa mémoire, mais ça y est, je pense que c'est plus que la mémoire que ça imprègne. Ça envoie un code, un message. Et là, captivé par ce crop circle, il va dédier sa vie, dorénavant pendant 20 ans, depuis plus de 20 ans même, va dédier sa vie au crop circle. Va écrire des livres, va parcourir le monde entier pour aller voir, dès l'apparition des crop circles, voir ses dessins, aller toucher à ces énergies qui sont présentes. Parce que, en plus, ce n'est pas qu'un dessin, c'est de l'énergie qui est gravée au sol. Oui, c'est carrément un vortex. Tu vois, là, on a une image généralement en plan, mais en fait, il faut imaginer que dans l'invisible, parce que c'est ça qui nous préoccupe le plus, finalement. On est rentré dans un siècle, voilà, ou dans un millénaire, enfin, mais bref, en tout cas, c'est le premier siècle de ce millénaire. Il faut avoir en tête vraiment le mot vibration, quoi. L'énergie, c'est ça, c'est cette grande révolution, hein, de toute façon. Complètement. Parce que tout change à partir de ce moment-là. Et donc, crop circle, ben, on l'imagine tout de suite dans l'invisible, c'est un vortex vers le ciel, vers la Terre. Et qui met en lien tous les points d'acupuncture de la Terre. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est qu'un crop circle, un cercle du culture? C'est quoi? C'est fait comment? Explique pour mes auditeurs. Alors, crop circle, moi j'aime bien garder, tu vois, je le disais dans mes livres, crop circle, ça, c'est un peu comme les Beatles, tu vois, tu ne peux pas t'amuser à traduire. Il y en a, les cercles dans les champs, après un peu plus pédant, les agroglyphes, tu vois, etc. Mais bon, c'est comme si on traduisait les Beatles par les scarabées, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, non, c'est vrai que c'est un cercle du culture, ça ne veut rien dire. Ben voilà. Tandis que crop circle, ça t'indique déjà l'origine, ça te donne une vibration, ça te donne un son, ça, tu vois, etc. Donc, j'ai toujours voulu garder ce terme qui, voilà, c'est tout. Et alors, crop circle, qui en effet veut dire crop, c'est le crop circle, donc c'est cercle, et crop, si tu veux, c'est dans les champs, les moissons, tu vois. Donc, ce sont des cercles qui sont liés crop aux céréales, etc. Et alors, ce qui se passe, si tu veux, c'est que dans les années 90, peut-être un petit peu avant, ça a commencé avant, mais c'est vraiment dans les années 80, disons, on va dire 80, que le phénomène s'est concrétisé. Avant, c'était même au Moyen-Âge, tu vois, c'était un petit coucou, tu vois, pour les gens très élevés, quoi.
hein, oui. Pour les sorcières qui sont passées sur le bûcher, quoi, tu vois, par exemple. Hein. Ça, ça mais tandis que dans les années 80, ça a commencé un enseignement, mais pour l'humanité entière. Donc, ça a commencé à se voir. Ce qui fait qu'en 90, il y a eu tout de suite la vague de désinformation. Parce qu'il ne fallait pas que ça se sache, tu vois, dès le départ. Et alors, donc, ça a commencé par des petits cercles. Alors, bon, les ingénieurs disaient... les ingénieurs anglais qui étaient payés par le gouvernement, hein, comme ceux qui, bon, hein, comme ceux qu'on voit aller dans les plateaux télé, disaient c'est un vent tourbillonnant, un vent tourbillonnant. Voilà. Ouais, seulement quand tu as trois cercles qui apparaissent avec le même diamètre et qui forment un triangle, ça commence à être difficile à croire ça, tu vois. Et donc dans les années 90, ça a commencé comme ça des pictogrammes. Et alors ce qui est vraiment très amusant, on fait cette émission et il y a quelques jours, il y a un crop circle qui est apparu. Qui est complètement différent de tout ce qu'on a jusqu'à présent et qui est exactement qui fait partie de la grande famille des crop circles des années 90. C'est-à-dire, tu vois, alors, cette série de cercles un peu pictogrammes, tu vois. Ça, c'est celui du 4 juin, c'est ça? Ouais. Tu vois, donc, je montrerai la photo quand je vais faire le montage de la vidéo. Donc, je vous montre la photo maintenant là, voilà. De ce fameux crop circle apparu le 4 juin. Donc, voilà. Et alors donc, ces crop circles, tu imagines, donc de 90 à maintenant, il y a une évolution, quoi. C'est ça qui est incroyable aussi. C'est quand on observe bien, il y a toute une histoire, il y a toute une évolution, il y a une forme de cohérence énorme, une cohérence. Et là, quand il y a une cohérence, ça veut dire qu'il y a une immense intelligence derrière tout ça. Donc, automatiquement... ça ne peut pas être uniquement des individus avec leurs planches, quoi, parce que ce n'est pas possible. Donc, ça s'est comme ça développé. Bon, évidemment, moi, comme je le disais toujours, le crop circle, c'est d'abord comme un petit drapeau, on est là, et après, du coup, on a envie d'en savoir plus, et puis il y a ceux qui canalisent, du coup, les acturiens et vénusiens, etc. Et bien sûr, voilà. Parce qu'il n'y a pas les acturiens hein, qui font évidemment du fractal sur les champs, on est d'accord. Hein. Voilà. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est, bon, en globalisant, des êtres de l'un, moi je préfère les appeler comme ça, c'est plus global, voilà, ils marquent le sol parce que c'est hyper important de soigner la Terre, parce qu'en fait, en soignant la Terre, ils aident les hommes à évoluer, hein, parce que c'est énergétique, vibratoire. Et du coup, ça ouvre les portes pour tous les médiums, les channels, tous ces gens qui captent justement l'invisible et qui captent entre autres les êtres de l'un, qui nous précisent exactement comme Monique Mathieu que tu connais, qui fait très beau aussi des discours là-dessus. Hein. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce fameux crop circle, le dernier, donc, qui est en date le 4 juin, avec donc, pour vous le repréciser, quand vous aurez vu l'image, donc il y a trois cercles. Qui sont dessinés d'une façon et on a comme deux clés. Oui, il y a quatre cercles en fait. Oui. Et si ma mémoire est bonne, puisqu'on on travaille dans le virtuel nous. Hein. Ah ouais, complètement. Ma mémoire est bonne. Il y a trois cercles et un au milieu et un le deuxième qui est en fait une sorte de demi-cercle quoi. Enfin comme. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a un côté blanc et un autre côté comme ça. Ouais, comme un croissant de lune un peu. Et alors bon, en fait. C'est un pictogramme tout simple. J'ai essayé de voir. Bon, en géométrie, je t'enverrai éventuellement une image. Je travaille dessus. Bon, c'est pas très complexe, mais il y a quand même des choses intéressantes dans le sens où c'est fait. Par exemple, les cercles, les plus petits cercles, tu les inscris dans un carré, et ce carré, lui, il est inscrit dans le grand cercle. Tu vois. Donc ensuite, au niveau, on peut dessiner aussi des triangles. Il y a des choses qui sont intéressantes géométriquement, mais assez peu. Bon, c'est toujours la même chose, un crop circle, on aime bien être sur le terrain pour observer, pour voir, etc. Alors, quand on n'en sait pas trop, bon, on reste, on va rester hein, entre les deux, mais tout ce qu'on sait, c'est que apparemment, ça nous parle aussi d'éclipses.
parce qu'on a un peu comme quatre phases d'éclipse, c'est-à-dire qu'on a d'abord, on peut imaginer, on a le premier cercle qui serait soit le Soleil, soit la Lune, enfin, je pense que c'est le Soleil. Le deuxième, c'est un demi, comme un croissant demi. De Lune, donc oui. Ce serait la Lune. Après, on a, je ne l'ai plus en tête, oui, on a le symbole, un symbole d'éclipse avec un grand cercle et puis des traits sur les côtes tout autour. Ah, bon. Ah, et, ah bien. Et le dernier, on a, on ne voit pas de façon. Et le dernier, oh, c'est difficile à voir à la caméra. Et le dernier, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est quand la Lune, elle est vraiment devant le Soleil et que ça fait une couronne. Donc, on a une couronne lumineuse autour. D'accord. Ouais. Donc, on aurait ces phases-là. Et ce sera en rapport avec une future grande éclipse. Bon. Mais il y a eu en 2017 aussi beaucoup de crop circles en lien avec les éclipses. Hein. Ils aiment bien aussi parce que ça met aussi l'intérêt sur une éclipse. C'est hyper important dans le sens où c'est des énergies, des alignements de planètes et ça a des répercussions. Sur, oui. Même si on les voit pas tout de suite, mais en général, la Terre, il y a plein de répercussions. Voilà. Et socialement aussi parce que toutes les énergies, ben, bon, elles font bouger aussi bien l'ADN que tu vois l'ADN social, je vais dire, tu vois, hein, tout bouge. C'est ça. Et les deux clés, alors Umberto, là, aux alors deux ça, extrémités, je sais pas, c'est quoi que, ça ouais, c'est toujours la même chose, c'est tout neuf, on n'a pas beaucoup de retour, de recul. Ce qui est intéressant, je vais en profiter là-dessus pour en parler, c'est que les crop circles, il y a quand même une logique, il y a des choses, il y a des liens, et au fur et à mesure on avance dans la saison, il y a aussi des gens qui arrivent à interpréter, enfin pas interpréter, qui reçoivent des messages directement, donc ça nous éclaire aussi, hein, c'est important. Et puis on a des images qui viennent soit corroborer, soit tout d'un coup ça va partir sur autre chose, et on se dit ben, qu'est-ce que c'était que ce truc-là, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a des gens très, très bienveillants qui ont envie de faire, voilà, ils se branchent, voilà, et puis ils font un crop circle en espérant être en lien aussi avec les êtres là-haut. Mais du coup, quelquefois, même les êtres là-haut, ils travaillent avec eux, quoi, les manipulent. Oui, c'est bien, tu fais ça. Je comprends ce que tu veux dire. Après, il y a les êtres malveillants qui veulent à tout prix nous faire croire que c'est fait avec des planches pour qu'on… Tu vois. Alors, il y a tellement de choses que pour s'avancer trop là-dessus, il faut vraiment être sur le terrain, voir les tiges de blé, comment elles sont pliées. Alors là, je vais répondre à ta première question. Comment ça se manifeste? Eh bien, ce dessin, en fait, c'est souvent dans les blés, mais ça peut être quand c'est en début de saison, c'est dans le colza. Enfin, j'en ai vu même dans des champs de petites fleurs bleues, là, je ne sais plus, dans le lin, tu vois, bon, etc. D'accord. Mais les dessins les plus performants, c'est le blé, parce que c'est bon. Et alors, ce qui se passe, c'est que ça se plie en quelques secondes. Alors, t'imagines les dessins que tu as derrière toi, t'imagines que ça se fait en quelques secondes, quoi, comme si c'était un peu une sorte de tempête, tu vois. Les blés se plient, quoi, voilà. Et ça se fait en quelques secondes, mais c'est incroyable, c'est impossible. Ben oui, ça va très vite. Hein. Voilà. En fait, ça va très vite. Alors, on a des preuves. Par exemple, au mois de… C'était en 4… Oh, je ne sais plus la date exacte. C'était un immense crop circle à côté de Stonehenge en 96, je crois. 1996. Un immense crop circle. Et il y a quelqu'un qui, justement, avec son petit avion… Il emmenait des gens voir les crop circles. Donc, il est passé au-dessus de Stonehenge, il n'y avait rien. Et un quart d'heure après, à peine, en revenant, voilà, c'était « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Il y avait le crop circle, tu vois. Donc, en même pas un quart d'heure, tu as eu cet immense dessin. Tu vois. Mais oui, on sait aussi par d'autres que ça se passe très, très vite. Et alors, en fait, c'est une histoire d'onde, une histoire de… Alors, les scientifiques nous parlent des ondes, mais il faut savoir avec un peu d'humilité que… Mais on n'en est qu'au début de la connaissance, parce que déjà, moi je me souviens, les ondes scalaires, les ondes qui n'ont rien à voir avec l'électromagnétisme, déjà il y a personne, pas grand monde. Moi quand je faisais mes premières conférences, les gens ils ne savent pas trop ce que c'est, parce qu'il existe des tas d'ondes différentes, tu vois, y compris les ondes scalaires qui sont
ben, les ondes que toi tu émets aussi, quoi, quand on émet par le cœur, tu vois, c'est incroyable, quoi. Il y a plein de choses. Et donc là, c'est tout un système, un peu comme quand tu écoutes la Castafiore, elle fait sauter les vers, tu vois. Et bien là, c'est la même chose, ça plie carrément les blés. Tu vois, tu as des ondes, un phénomène, alors avec des phénomènes de résonance, tu vois. Ouais, alors, mais comment c'est possible que des fois ils sont pliés, ils sont tortillés, ils font des petits trucs comme ça, magnifiques. Ah oui, après il y a des subtilités, et après il y a aussi, faut vraiment, là il y a des gens aussi qui bidouillent, hein, on n'en sait rien, qui bidouillent même quelquefois après, hein, on ne sait pas trop, mais par contre il y a des choses magnifiques en effet. Ah oui. Donc, les tiges de blé sont toutes pliées légèrement pour faire pour suivre le dessin, tu vois. C'est ça. Ouais, voilà, c'est magnifique. Oui, il y a plein de choses mais c'est vraiment, faut penser que ce sont des technologies, mais très, 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 très en avance, quoi. Nous, on est Il faut qu'on soit logique. Si la personne, elle passe en avion et qu'un quart d'heure après, elle voit un immense, avec je ne sais combien de mètres de long, cette image qui est gravée sur le sol, voilà, c'est impossible qu'elle se soit faite par l'homme. Donc, soyons raisonnables. Pensons logiquement que ça peut être fait que d'une autre manière. Bien sûr, surtout qu'il y avait plein de gens. Hein. C'était à Stonehenge. On était juste à côté du champ. Tout le monde pouvait se voir. Puis c'est au bord d'une route qui est hyper. Il y a plein de monde et il faut vraiment s'arrêter. C'est ça. Donc c'est vrai que les crop circles, c'est l'émanation de leur présence, de leur existence. Donc forcément, par voie de conséquence, il y a autre chose. Il y a d'autres personnes qui agissent également dans l'invisible. Et puis c'est leur outil parce qu'ils ont fait des crop circles dès le Moyen-Âge. Oui, on en voit depuis longtemps. Et disons qu'un des plus beaux et des derniers qu'on a, qui a été dessiné sur du bois, puisque c'était des chroniques dans le temps, c'était comme ça l'imprimerie, il date de 1676, quelque chose comme ça, tu vois, donc le XVIIe siècle. Et c'est vraiment le crop circle avec ses traits impeccables de tiges de blé pliées et tout et tout. Quoi. C'est impressionnant. Alors bon, pour finir sur celui du 4 juin, là, moi, je voulais donner mon sentiment. Je vois ces deux clés à l'extérieur. Donc pour moi, c'est des clés. Oui, c'est des clés. C'est des clés aux extrémités. Et comme tu dis, au milieu, donc il y a comme une progression. Mmh. Et on a l'impression que ce cheminement, justement, va rapprocher ces deux clés. Pour que ça ne fasse plus qu'un. Il faut qu'il y ait une progression entre les deux clés, tu vois. D'accord, ouais. Ah oui, oui. Il faut qu'il y ait une progression. Comme tu le dis, des clés, chaque fois qu'il y a une éclipse, chaque fois qu'il y a un vortex d'énergie qui vient lié aux planètes, etc., sur chez nous, c'est aussi des clés. Parce que ça travaille sur nous, sur notre conscience, ça nous fait monter en vibration, ça bidouille dans l'ADN. Tu vois, c'est la matière et le subtil sans arrêt, comme ça. Alors, que penses-tu de celui du 28 mai, en l'occurrence, celui qui est rond avec les hélices à l'intérieur? Donc, ça, c'était le premier crop circle d'Angleterre. Juste avant, il y en a eu un autre dont on parlera un petit peu, c'est en Italie. Alors, bon, celui-là, c'est pareil, on aimerait bien être sur place. Il répond tout à fait à des crop circles de l'an dernier, c'est-à-dire, et d'autres avant, c'est-à-dire qu'il nous montre une forme de nettoyage et d'accélération, tu vois. Autant celui qui est derrière toi, il nous montre de la lumière qui va venir, c'est comme un grand moulin d'enfant, tu vois, hein, tu vois on souffle dedans, ça tourne. Tant que celui-là, on sent que ça va couper, quoi. Il va falloir se détacher. Alors, pour ceux qui, moi je le vois comme ça, pour ceux qui sont en recherche spirituelle, qui avancent, etc., ils sont obligés, s'ils veulent monter en vibration, d'aller trifouiller dans le fond et faire sortir le vieux schéma qu'on n'a pas complètement dépassé et couper tout ça, quoi. Couper c'est les ça. Pour pouvoir, tu sais, ça fait penser au disque qu'on met dans les robots de cuisine.
Voilà. Il y a un truc où il y a des trucs qui coupent là. Tu voilà, sais, des hachoirs. Et quand ça tourne. Et moi, ça me fait penser à ça, des hélices qui coupent. Parce que, comme disent les Arthuriens dans leur message, il faut abandonner ses croyances. Voilà. Donc, c'est en mouvement. C'est toujours en mouvement. Donc, c'est la forme des hélices, en mouvement, comme une roue qui tourne toujours, mais en coupant. Pour enlever voilà. Tout ce qui n'est pas bon, le gras, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est lourd, tout ce qui est… Oui, c'est ça, c'est aller chercher dans nos profondeurs. Et oui, j'avais entendu quelqu'un qui parlait de tout ça, c'est très, très fort. C'est-à-dire qu'au niveau vibratoire, on ne peut pas se considérer sur son fauteuil, on est arrivé, on est à un haut niveau, on regarde un peu comme ça. On ne peut pas, si on veut monter plus haut, en fait, on va devoir redescendre. À un moment donné, parce qu'on doit aller chercher pour monter plus haut, il faut s'alléger quelque part. Donc, il faut aller dans ses entrailles chercher le. En fait, c'est comme tu vois, les montgolfières, eh ben, pour monter, ben, il faut jeter le sable, il faut jeter. C'est ça. On avait ça dans nos tripes, il faut descendre, aller les chercher pour les balancer. Ouais, nettoyer, évacuer. On parlerait presque un peu de nourriture également, hein, parce que c'est le nettoyage de tout, en fait. De tout, voilà, de tout. De nos pensées, la nourriture. Faire attention à nos pensées, à tout. Quoi. Et plus on avance, plus c'est clair. Alors, petite parenthèse amusante, on va dire, c'est que, on dit ça sur ce crop circle, imaginons maintenant que ce crop circle a été fait par des gens bienveillants qui ont eu envie de se relier tout, et puis justement, ils copient les vrais crops, etc. Ça reste quand même l'œuvre des êtres de l'un, parce que nous sommes des êtres de l'un. On est tous reliés. Donc en fait, ils ont peut-être l'idée qui leur parvient de là-haut, et puis ils le font à leur manière. Voilà, et puis là-haut, ils se marrent bien parce que de toute façon, ils disent tiens, toi, tu le fais, ça passera. Par contre, ils doivent mettre plus longtemps. C'est la synchronicité, c'est là que ça va jouer. Oui. C'est que tout fonctionne. Quelque part, on s'aperçoit que c'est pas rien de dire que finalement tout est juste, tu vois. C'est ça. Alors parlons de celui qui m'a beaucoup marqué, parce qu'évidemment quand j'ai commencé la lecture de ton livre entre autres, et puis après l'historique des crop circles, celui qui m'a beaucoup marqué, je mettrai la photo après. On voit mieux. Alors moi ça va mieux parce qu'il n'y a pas le fond, tu vois. Celui qui est page 270. Avec la tête d'alien. Ah oui. Alors attends, je me plonge dedans. Je ferai la photo après. 278. D'accord. C'est lequel que tu as de livre ? C'est pas la même collection. Attends. Ah ben moi c'est pas 278. C'est-à-dire que il a été refait, hein. Je l'ai fait deux fois. C'est après la dernière édition, peut-être. Tu vois la couverture, comment elle est ? On n'arrive pas à bien la voir, mais... Ah ben, si, c'est celui-là. Oui, 278, tu dis. 278. Alors, il est également en page 32. Oui, d'accord. Eh bien, bon, c'est l'histoire de l'alien qui apparaît dans comme tu mettras l'image, de toute façon, nous on travaille avec la mémoire. Eh bien, en fait, c'est génial parce que on a dans un champ qui était près d'un observatoire. Alors, c'est là, c'est fou. Tu vois, t'as un observatoire, faut imaginer que c'est super bien gardé en plus, etc. Bien sûr. Et puis, ils sont là à chercher des messages avec des technologies inimaginables, à des milliards, à des années-lumière, etc. Et puis là, tout à coup, bang, un dessin dans le champ, juste devant. Là. Wow. Alors, cet alien, il apparaît dans une forme de télévision, qui est en biais d'ailleurs dans le champ, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est...
c'est une télévision qui est debout, quoi, avec tous les traits, puisque c'est en fait comme les traits de la télévision, hein, c'est une image comme ça. Et en bas de ce dessin, dans ce rectangle, il y a un cercle qui nous indique, bon, c'est comme un CD, quoi, et il y aura un message dedans. Donc, il nous a envoyé un message. Ce message date de, alors, c'est de, tu ne sais plus la date, ça doit être… Alors, c'est le crop circle, c'est août 2002. Hein. 2002. Ouais, et c'est... il fait 140 mètres de long. D'accord. Voilà. Et le disque à côté, le 15 août 2002. Voilà. Oui, oui. C'est ça, le disque le 15 août. Voilà, ça me revient. 15 août. Mieux. Et c'est mieux parce que 15 août, moi, tu vois, 15 août, je l'associe tout de suite à Marie. C'est la fête de Marie, 15 août. On parlait du crop circle qui est derrière toi, que je relis à tout ça aussi. Et là, évidemment, 15 août, c'est symbolique. De toute façon, rien n'est fait au hasard. Hein. Rien n'est hasard. Comme par hasard, c'est un message qu'il nous envoie. Un message, entre guillemets, marial ou prophétique, tu vois. Et un peu comme, justement, les messages de Fatima. Ah, d'accord. Tu vois, les choses sont... Ouais. C'est en ça que c'est intéressant de voir avec le temps les crop circles. Et alors, donc, on a d'abord cette alien qui est à la télévision, et c'est une façon de nous prévenir déjà que on va nous manipuler. Alors, moi, la question, c'est pourquoi en 2002, attends, on ne parle pas spécialement d'aliens de gris et non, tout encore à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus. Et on nous montre un gris. C'est la tête d'un gris. Voilà. Ben oui, ben manipuler. Donc c'est eux qui vont nous manipuler. C'est eux. Ouais, c'est pas un gris. Bon, il y a pas l'air. Il est bien, il est gentil le dessin. Mais bon, c'est pas non plus. C'est pas un ange. C'est pas non plus terrible. C'est pas un ange. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas fait horrible. Ils l'ont pas fait horrible. Ils ressemblent plutôt à Paul, tu sais. Oui, il y a le Paul, le film adorable d'ailleurs. J'adore. Il ressemble un petit peu à ça. Bon, en gros, ils nous préviennent qu'on va être manipulé et est manipulé. Qu'on est manipulé. Ben oui, maintenant, on sait très bien que toute cette classe, notre élite, bon, elle a ses dirigeants plus haut. Et puis, elle manipule les gens en bas. Hein, depuis longtemps. Maintenant, toutes les choses sortent. Alors, mais à l'époque, dire ça, ça pouvait être, ça passait pas. Hein, ça passait pas. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce dessin, là c'est vraiment… là, je fais appel à mes mémoires. C'est que les traits, il y a les traits du champ. On sent bien le champ, il y a les traits. Et il y a les traits de cette télévision. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a trois petits points lumineux comme… Ah oui, je les vois. Comme trois soucoupes, quoi, comme trois petits vaisseaux, et qui sont alignés à la fois, ils sont dans le dessin, et ils sont en même temps alignés par rapport au champ. C'est-à-dire qu'ils sont sur les deux plans. Et moi, en voyant ça, je me suis dit, ben, c'est aussi une façon de nous montrer qu'ils sont capables de venir aussi nous voir. Et d'apparaître certains, tu vois. Ils peuvent jouer sur les tu vois, l'invisible et le revenir, tu vois. Ah oui, d'accord. Par l'intermédiaire, notamment de… Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui les voient, qui voient les… Et alors, c'est le petit gang, quoi. Mais après, il y a un truc beaucoup plus important. Après, on attaquera le deuxième, le grand message. Il y a un truc très important, c'est le nombre de lignes. Et le nombre de lignes est incroyable parce que tu as en ligne… invisible, en ligne invisible blanche, quoi, où il n'y a rien. Blanche, il n'y a rien. Par le haut, tu en as 60, mais si tu comptes le nombre de lignes réellement pleines qui veulent dire quelque chose, il y en a donc 59. Tu vois ? D'accord ? Ouais. Parce que moi, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait, c'est ça qui m'a donné l'idée, il avait dit il y a 60 lignes. Ah bon ? Moi, j'ai regardé ça, mais ça apportait rien. Et quand j'ai regardé 59, là, je lui ai dit ça, par contre, ça me parle puisque c'est 59 lignes pleines qui veulent dire quelque chose. Et alors, le cercle lui-même, il y a 33 lignes, le cercle. Ce qui fait que quand on s'amuse avec les chiffres, on s'aperçoit que, par exemple, les 59 moins 33, ça fait 26. Et il y a exactement 26 mots dans le message qui est envoyé.
Ah oui, quand même. Ah oui, tu vois, ça va Ah loin. oui, quand Et même. alors, mais ça va encore plus loin parce que du coup, ils disent aussi qu'il y a 151 caractères, parce que c'est écrit en caractère je sais plus comment, c'est caractère Internet, Langage quoi. binaire, c'est ça? Langage binaire, c'est plus simple à dire. Voilà. Donc, en langage binaire, et il y a 151 caractères. C'est-à-dire que c'est la merveille, quoi. 5 et 1 et 1, ça fait 7. Hein. Et donc, tu te dis, tout est important, le moindre détail. Et alors, le summum, c'est quand tu fais 33 multiplié par 59. Alors là, J'ai qu'est-ce la que tu réponse, prends? j'ai la réponse. Eh ben, ça fait combien? J'ai la réponse. Alors, ça fait quoi? Ça fait 1947, Roswell. Voilà, 1947. C'est l'endroit où il y a eu un atterrissage forcé ou Ah. d'un vaisseau. Et est-ce que ça Le veut pas fameux dire que c'est à Roswell. partir de ce moment-là, on va se jouer de nous parce qu'ils ont découvert les technologies et ils vont s'en servir contre nous? Voilà, absolument. Et alors, en fait, 33, puisqu'on était avec 33 et 59, 33, en plus, c'est l'endroit où ils se sont scratchés niveau latitude, longitude. Ah oui, oh, dis donc, là c'est précis, hein. Ouais, Waouh. parce que y a, et eux, ils travaillent, c'est comme ça, il y a 33, je crois, c'est donc la latitude, et 33 multiplié par pi. Je ne fais plus le calcul, hein, 3, 14, multiplié, ça fait 104, je crois, un truc comme ça. C'est donc l'autre, la longitude, latitude et longitude. Donc tu as le point précis, rien qu'avec ça. Et du Alors, coup, c'est bah, qu'en c'est plus, clair que. du message, il donne les latitudes, il donne les... Enfin, tout est précis, 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 Et précis. puis Hein. C'est incroyable. c'est fait avec plein d'humour, Ah ouais, c'est fou. de chiffres, quoi, pour nous pousser à cette connaissance. Parce que quand tu regardes même la Bible, c'est que des chiffres, tu vois. Bon, si on Des parle de nombres. 666, c'est pas pour rien, quoi. Alors, évidemment, un petit clin d'œil à nos auditeurs. Il faut bien savoir que ceux qui tirent les ficelles connaissent encore mieux que nous tout ça. Hein, Bien sûr, voilà. Donc, ils sont au courant c'est depuis pour ça. longtemps. Ouais. Voilà, c'est pour ça que, hein, il n'y a pas de secret pour eux au niveau des nombres et que c'est pour ça qu'ils s'amusent. Pour ça que le 666, eh ben c'est tout simplement ce qu'on trouve, hein, ben c'est le code barre. Hein. Le code barre, si vous regardez bien, c'est voilà, etc., etc. Hein. C'est C'est ça. énorme, quoi, on le retrouve partout. C'est clair. WWW, par exemple, Internet. Oui, Trois comme quoi. Ah, ouais, bizarre. Ah, W, ouais. c'est 666. C'est ça, Voilà. d'accord. Bon, Oh. moi je me souviendrai toujours quand j'ai voulu voir il y a très longtemps parler de Netflix. Je ne savais pas à l'époque que ça pouvait être aussi bon comme c'est. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que hors taxe à l'époque, hors taxe, hein, c'était, parce que ça ne se voit pas, en général c'est toute taxe, donc hors taxe c'était 6,66 € Ah l'abonnement. ouais? Ah Ouais. bon? Ah C'est pas bon? pour Ah bah rien. dis. Hein. Mais quand on voit Oh là ce que donne là. Netflix, on comprend. Hein. C'est C'est fou. Par assez contre, sur fou. Netflix, en revanche, il y a des films qui apportent beaucoup de compréhension. Absolument, mais c'est ça la contradiction, c'est que tout le temps ils sont obligés de, comme Hollywood, ils sont comme tout. Hein, regarde, j'ai toujours rigolé avec l'histoire du film du futur, là, je sais plus, Retour vers le futur, Retour vers le où à un futur. moment donné, tu as les deux tours, tu as des musulmans qui Ah sortent oui. d'une camionnette, là tu Ah regardes oui. 9h11, c'est-à-dire 11 septembre, enfin bon, bref. Ouais, voilà, plein de clins d'œil, plein de clins d'œil. Puis, ouais, c'est clair. Incroyable, quoi. Donc, Ah ils ouais, savent des complètement. choses, et alors il y en a, ils balancent. Ah oui, tu sais, j'en C'est ai ça. vu il n'y a pas longtemps des films où tu as carrément, qui sont assez un bon bout de temps, où ils t'expliquent de au long en large toute l'histoire du vaccin, du virus et compagnie. Hein. Ah bah ça, depuis Oh. longtemps, effectivement. Et puis alors, pareil, hein. Ah, Pareil, puis Black Mirror carrément, partout, tout. World Z, par exemple, Ah, ça voilà, met tu vois. exactement dire ce qu'on a vécu, quoi. C'est fou. Donc le C'est pour ça message qui est là-dessus. dans le disque, le message qui est dans le disque Alors là, avec voilà le l'alien. message qui est intéressant. Mais c'est toi qui vas prendre le Eh ben livre moi, je vais pour le nous, dire. parce Voilà. que moi, je l'ai pas. Je l'ai en tête, mais je n'ai pas les mots exacts en mémoire. Alors la première phrase, parce que c'est donc en anglais, hein, c'était traduit. Alors c'est quoi la première phrase? Alors, méfiez-vous,
de ceux qui apportent de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. Ben ça, c'était bien à cette époque-là, vous pouvez le dire et pas me croire, tandis que maintenant, tout le monde le sait. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pareil, hein. Promesses c'est non ça, tenues, c'est ça, mais sauf pareil, qu'aujourd'hui, faux beaucoup de cadeaux, gens ont pareil. compris, quoi. Hein? C'est ça, D'ailleurs, c'est la demain, même il y en chose. a qui vont se balader dans la rue, je veux dire, c'est pour rappeler qu'on leur a mis des promesses et qu'on leur balance Voilà, tous les jours des c'est cadeaux. complètement Alors, au goût du jour. ce que je n'avais pas compris à l'époque, hein, c'est bien 2002, je ne comprenais pas trop l'histoire des cadeaux parce que je me disais, cadeau, ce que je comprenais par cadeau, c'était l'échange qu'avait fait l'élite avec justement les extras. Hein, pour voilà, je te laisse faire ça, et puis toi, tu nous donnes, Ah oui. par Et toi, exemple, tu me donnes les composants pour faire un téléphone, voilà, etc. Donc, ça, on sait. Mais ce que j'avais pas trop bien compris. Maintenant, ça me paraît tellement lumineux, c'est eh bien, qu'en oui, fait, c'est logique. Tout était cadeau au départ. Si on prend même la télévision, quand on regarde les années 50, c'est oui. bien, c'est un beau cadeau pour l'humanité, c'est magnifique. C'est incroyable. Quand on voit le système d'aliénation maintenant, tu vois, et tout est comme exactement. ça. Ouais, L'école, voilà. dans les années 50 et tout, l'école, c'est… Ah Regarde ben, maintenant. un Et moyen de contrôle, en fait. Tu peux tout C'est un prendre. moyen de contrôle. Voilà, Voilà. un Et tu moyen peux de tout prendre comme contrôle. ça. Donc, Même les journalistes, au début, quand tu regardes les annales de cette époque-là, et puis ah ouais, maintenant, c'est la ça. corruption. En fait, tout est corrompu, tout se corrompt. Donc, on te dit, méfie-toi des cadeaux parce que ben, ce qu'on croyait être une aide, ce n'est plus une aide maintenant, c'est presque une corruption. On va vers un système où, tu vois, à la chinoise, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. La suite du message dit beaucoup de douleur, mais toujours du temps. Qu'est-ce que Ah, tu ouais. comprends là-dedans? Ben, Beaucoup de douleur, on mais. peut traduire de deux façons, parce que douleur, c'est aussi travail. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire, de toute façon, il y aura de plus en plus de travail et de douleur si vous mettez trop de temps à comprendre. Donc, Ah mais oui, seulement, ah oui, mais il y a toujours temps. Mais plus tu vas attendre, pire ce sera, quoi. C'est-à-dire ah que mais oui. d'année en année, c'est pire. Et ceux qui ont… Il y en a qui ne sont pas encore réveillés, mais ils vont se prendre une quatrième dose, quoi, une cinquième, et puis, tu vois, c'est de plus en plus Mais dur. encore du temps, d'accord. Voilà, c'est ça. On continue, pardon, par croyez, il y a Alors du là, bon c'est cadeau. magnifique. C'est Ça, c'est magnifique. beau. Parce qu'en Croyez. réalité, le mot, on ne le voit pas. En réalité, c'est un mot de 7 lettres, c'est believe, croyez. Believe. Mais en fait, on ne le voit pas. Parce que le mot a été fait sur une ligne de tracteur. C'est-à-dire qu'il y a 3 lettres qui ont disparu, qu'on ne connaît pas, et il y a les 4 lettres du milieu qu'on peut lire. Mais avant de trouver Believe, il faut déjà y aller. Il faut essayer. C'est un petit jeu, mais on comprend vite. Hein. Mais qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit le mot Elie. E-L-I-E. Et Elie. Mais c'est formidable parce que c'est le grand prophète qui s'est Ah battu. oui, Élie. Eh oui, et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que c'est 4 lettres sur 7, 7 la merveille. Et là, on est dans la matière, on a les 4 lettres, les 3 autres, c'est le 3, le divin, hop, à vous de chercher. Et alors, on a Élie avant d'arriver sur Believe. Ah, et alors, oui. Qu'est-ce que c'est que Élie? C'est le prophète qui a été le premier à se battre contre, justement, notre élite. Élie, Parce eh oui, que c'est d'accord. lui qui s'est battu contre ceux qui vénéraient le diable. Les autres. Et Dieu de ouais. La force obscure. Ouais, C'est ça. Bah oui, parce qu'à cette époque-là, tu avais les prophètes. Hein, c'était, et lui, il s'est monté contre eux en disant non, Dieu, c'est la lumière, c'est pas que, etc. Et il a gagné. Et puis ça, c'est. Puis après, bon, dans l'histoire, si on regarde bien la Bible, le peuple a suivi et puis ils sont débarrassés des 70 prophètes de malheur. Enfin bref, tu vois, c'est encore une histoire très, très actuelle. Très, très vaste. C'est hallucinant. Alors, le message y finit par « Nous nous opposons à la tromperie, voilà. fermeture de canalisation ». Voilà. Et ben, c'est nous trop nous génial. Hein. Alors du coup, « believe », ça veut dire « croyez » et c'est hyper important parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas avancer. Les gens
malheureusement, c'est l'élite qui a voulu ça, a tout fait pour créer cette espèce d'athéisme en faisant croire que tu es super évolué. Et du coup, les gens n'ayant plus cette croyance minimale, ils ne peuvent pas la dépasser. Donc, quand tu ne peux pas dépasser quelque chose, tu stagnes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand tu crois, quelle que soit ta croyance, hein, quelle qu'elle soit, on sait que les dogmes ont été faits par des humains qui ont quelquefois tout tordu. Mais si tu cherches bien, derrière tout ça, il y a quand même la lumière. Et donc, évidemment, quand tu es gamin, tu vas dire, on va dire, Jésus, il est né à Noël, comme moi, la même date. Mais en fait, c'est faux, puisqu'on sait qu'il n'est pas né à Noël. Mais bref, on va te raconter, puis il y a l'âne, il y a tout ça. Mais bon, tu ne dois pas rejeter ça, tu dois te dire, qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça voulait dire, et puis on dépasse tout ça. Mais si tu n'as pas de croyance minimale, tu ne peux rien dépasser et tu restes… C'est ça. Ben, tu restes dans ta vie de tous les jours sans avancer, voilà. À être trompé, parce que c'est le terme. Et, du coup, c'est la cata. Et puis, c'est tout. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce mot « croyer », c'est hyper important. C'est-à-dire que même ceux dont on se moquait, on disait « Ah ouais, ils croient à l'époque, c'était dans les années 50. Ah ouais, ils croient aux Martiens. » Tu sais, les années 50, c'était ça. Aux Martiens, bah oui. Avec les Martiens. Mais lui, celui qui croyait en ça, il croyait, il cherchait, il lisait, tout ça. Puis, fil en aiguille, il découvre plein de choses parce qu'il regarde des vidéos, il regarde des livres et tout. Et puis, petit à petit, il dépasse tout ça. Puis il en arrive après à savoir qu'il y a des la différence entre un Vénusien, un Acturien, celui de Sirius, ceux qui ont des têtes de chat. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas, de toute façon. Si tu ne cherches pas. Et pour chercher, le moteur de la recherche, c'est la croyance. C'est ce que disait Einstein. C'est ça. Donc c'est pour ça, c'est important. Et après, la suite, relis-le, la fin. Nous nous opposons à la tromperie, fermeture de canalisation. Alors, nous nous opposons à la tromperie, c'est bien la preuve, ils sont là avec les crop circles. Ils sont là pour aider l'humanité à prendre conscience, à se réveiller, et puis voilà. Et alors, le canal, à la fin, c'est simplement qu'il y a un symbole en forme de cloche, enfin un son, c'est un dessin qui imite, dans une traduction, c'est un son de cloche. Alors après, c'est à nous de définir, est-ce que c'est le glas? Est-ce que c'est le réveil matin? Est-ce que c'est la petite cloche matinale qui dit maintenant, il faut te réveiller? Tu vois, en gros, c'est ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pour ça que ça termine par une cloche. Alors là, c'est pareil. Ce crop circle en 2002, il a dû surprendre beaucoup de personnes parce que quand tu vois un truc comme ça, c'est dans un champ avec une tête d'alien. Wow. Et alors, là, je ne suis pas sûr que ce soit les Acturiens qui l'aient fait, mais c'est possible aussi. Mais peu importe. Mais on s'en fout. Mais le message, il est là. Parce que quand je dis que je ne suis pas sûr, c'est que faudrait se brancher sur quelqu'un qui canalise un petit peu. Parce que c'est un crop circle qui est très, 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 très différent de tous les autres. Oui, parce que là, c'est un message vraiment qui s'adresse aux humains. Paf. Ouais, et puis c'est vraiment. Puis un rectangle, tu vois. Les crop circles, c'est souvent comme derrière, des mandalas. Tu vois, il sort un peu de l'ordinaire, mais en même temps, il est complètement dans la logique. Mais seulement, on peut dire presque que celui-là, il est un peu figuratif, quoi, alors que les autres sont plus abstraits. C'est ça. Alors, pour continuer dans la suite du livre, dans ce qui m'a marqué le plus et puis qui va plus résonner, parce que ça résonne plus aussi, au niveau ufologie aussi, mes amis savent très bien que je partage beaucoup là-dessus. Il y a eu un message binaire qui a été envoyé de Porto Rico par des scientifiques en 1974, en novembre exactement, et ils envoyaient donc en message binaire un dessin de notre ADN, de la composition et tout ça. Alors, je vous mettrai la photo également. Ah oui. Après, dedans. Ah oui, je l'ai là. C'est à la page 255.
ça. Bon, t'as tu là. C'est bien. Donc, ce message-là est envoyé en code binaire par des ondes radiographiques, quelque chose comme ça, vers Mars. Enfin, ouais. Ça va là où ça va, quoi. Bon, bref. Ouais, ouais. Mars, peut-être ailleurs, hein, même peut-être plus loin, on ne sait pas. Bref. Il y a eu une réponse à ce message en 2001. Donc, ouais, je crois 30 ans après. Ouais. Toujours en août, d'ailleurs. Encore ouais. En août. 2001. Ouais, c'est le message de Shibbolton. C'est ça. C'était Shibbolton dans le chapitre 14. En face, mais alors là, c'est carrément extraordinaire parce que c'est en face du plus grand observatoire avec un radar pas possible, la coupole énorme, immense. Quoi. C'est, et le crop circle, il arrive comme ça d'un coup. Bingo. Extraordinaire. Ils sont incroyables quand même, nos amis de là-haut. Hein. Ah, ouais, et puis en plus, ils nous jouent sous le nez, peur de rien. Et ce crop circle, c'est une réponse. Parce que du coup, d'un côté, alors je vous mettrai les deux images. D'un côté, vous voyez, bon, nous, on désigne un peu notre marque ADN, on marque un peu comment est fait notre corps humain, etc. etc. Alors, la taille des chiffres. Il y a la table, pour être simple, il y a d'abord la table des chiffres. Tu vois, 1, 2, 3, tu vois, il y a. Oui, voilà. Bon, alors, c'est des choses qui n'ont pas changé, en fait. C'est ça. Quand il renvoie le message, il nous montre que là, bon, ils sont d'accord avec nous. Hein. C'est ça. Ouais. Après, il y a les numéros atomiques par rapport. Ensuite, il y a tout un système avec les molécules. Après, l'ADN. Après, il y a la silhouette d'un personnage, un petit homme, et puis sa hauteur. Alors là, la silhouette, elle change. Hein. Ouais. Alors, voilà. Et puis après, il y a le radar lui-même, le mode de communication, tout ça. Ouais. Tu vois. Ouais. Et alors, ce qui est amusant, je parle sur ce mode de communication, c'est que l'année d'après, il y a un immense crop circle qui va apparaître. Et ce crop circle, eh ben, en fait, c'est le petit dessin qui était en bas de celui qu'ils avaient envoyé. Et qui est le symbole de la communication. Ah oui, donc celui qui est juste en dessous dans le livre, voilà, là, la communication. Il remplace le radar. Oh, d'accord. Les humains ont envoyé un dessin de radar et eux, ils nous ont envoyé un autre dessin qui est un peu, en fait, des fractales. Une façon de montrer que l'univers, c'est fractal. Après, tu te branches, tu vois, la communication, tac, tac, tac. C'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Ah ouais. C'est fou, mais c'est fou. Et puis les gens... Enfin bon, moi, je ne peux pas imaginer qu'en une seconde, ça, majestueux, en plus, comme tu l'as étudié, tu en as étudié beaucoup, des crop circles, ouais. Tu as pu voir que donc, ça correspond à des formes géométriques, on appelle ça la géométrie sacrée, ouais. Que ça rentre dans des proportions avec chiffres bien précis. Bien. Et qu'on retrouve le nombre d'or. Bien sûr. Ah oui, mais alors là, c'est carrément un autre chapitre extraordinaire. Ah oui. Qui prouve. Attends, je bois un coup. Tu me fais parler. Vous... À votre santé, les amis. Alors, justement, c'est intéressant parce que c'est par la géométrie qu'on comprend que ça n'a jamais été fait, quoi. C'est qu'on comprenne tous les dessins, depuis les dessins amérindiens, aztèques, égyptiens, les mandalas, tu vois. Même les Chinois. Mais jamais ces dessins-là n'ont été faits. Parce que ces dessins, en fait, j'ai mis du temps à comprendre. Parce que, je dirais même, non, ce n'est pas que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai compris tout de suite, mais j'ai mis du temps à trouver les mots pour faire comprendre. Bah oui, c'est pour pouvoir être compris des autres. En fait, il faut comprendre une chose, maintenant je l'ai, c'est que la chose la plus simple que l'humain comprenne, c'est la musique. La musique, elle est tellement simple que quelqu'un qui va écouter un groupe, n'importe lequel, il suffit que dans les 5 musiciens ou les 10, il y a le batteur qui a cassé sa baguette et qui a raté un temps, je veux dire, tout le monde l'entend. C'est ça. Et voilà, tu vois, et il suffit que le chanteur, il y a un demi-ton ou un quart de ton tout d'un coup qui a dérapé, tout le monde l'entend. Ça s'entend. Et ça s'appelle l'harmonie, etc. Or, en géométrie, les gens ne le voient pas, ça. Non. C'est tellement, tu vois, c'est-à-dire que la musique, c'est comme si on avait une oreille, mais incroyable, quoi. On discerne des choses, mais d'une subtilité incroyable. Eh bien, il faut se dire que
La géométrie, c'est tout simplement de la musique. Musique. Et la musique, c'est quoi? C'est de la synchronicité. C'est-à-dire que tu as, par exemple, ça te paraît long, mais tu vas voir, c'est énorme si les gens, ils ont compris ça. Tu as une ligne de basse, par exemple, hein, allez, ta-ta-ta-ta-ta, et puis après, tu as une guitare solo, autre chose, puis tu as un chanteur, et c'est encore une autre mélodie. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça mélangé, c'est extraordinaire, ça fait une symphonie, ça fait, tu vois. Eh bien, c'est quoi ça? C'est que des points de synchronicité. C'est le moment où la basse, elle fait boum, tu as la caisse claire qui fait tac, tu as la note du solo qui démarre, et pof, c'est des axes de synchronicité. C'est des fréquences, c'est des fréquences qui se rejoignent. Voilà, et c'est ça que, voilà. Et c'est ça que les gens adorent, parce que c'est oui. Ça qui fait vibrer. Et j'ai compris que la géométrie, ça naît chez eux. C'est des systèmes de synchronicité. C'est-à-dire des choses, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, tu as un grand cercle et un petit cercle. Toi, ça ne te parle pas, mais quand tu regardes bien, bah, tu peux faire un carré dans le grand cercle et tu t'aperçois que le petit cercle, eh ben, en fait, il est contenu dans ce carré. Tu comprends? Après, tu peux avoir à l'intérieur de l'autre cercle, par exemple, un triangle. Si tu fais un cercle dedans, dans le triangle, bah, tu t'aperçois que c'est le petit cercle à côté. C'est-à-dire que rien n'est au hasard, tout est relié. Incroyable. Et ça forme une symphonie qui est invisible. Une symphonie invisible. Mais parce qu'on n'a pas l'éducation des yeux. C'est ça. Mais même la nature est une mélodie dans le silence. Ça. Quand et on le voit. Nombre d'or, ça rentre là-dedans. C'est ça. C'est l'étoile à cinq branches. Parce que quel que soit le côté de l'étoile, tu divises le côté par le côté précédent, n'importe lequel, tu tombes tout le temps sur la même valeur qui est une valeur infinie, qui est 1,618, enfin jusqu'à l'infini. C'est ça. Alors ça, moi, je l'ai découvert. C'est ça, moi, je l'ai découvert. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Un an après avoir vu ce signe, pourquoi? Parce que je l'ai vu dans mon esprit. Étant donné que je demandais un signe pour pouvoir me connecter, on m'a envoyé une image qui était comme ça. Oui. Comme ça. En spirale. En spirale. Donc, je me dis, OK, c'est ce schéma-là que je vais utiliser pour me connecter aux êtres supérieurs. Voilà. Un an après, pas tout de suite, hein, donc j'ai dit, OK, je garde cette image, point. Un an après, je regarde une émission et on parlait des pyramides. Et ouais. Sur les pyramides d'Égypte, les pyramides de Gizeh, les trois pyramides, on remarque que leur construction, leur dimension, leur hauteur, etc., c'est le nombre d'or. Bah oui. Tout est calculé sur le nombre d'or. Voilà. Et je dirais que dans ce dessin, alors là, parce que j'en parle dans, je ne sais plus si c'est dans ce livre-là ou dans le second, je parle beaucoup de ça parce qu'on retrouve quand même une notion de synchronicité dans les dessins des pyramides, c'est le lien, on peut dire que les dessins, mais je ne dis pas de la pyramide, je dis des pyramides parce que je pense à Khéops, Khéphren et Mykérinos, mais c'est hallucinant, les dessins qu'il y a en géométrie là-dedans, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et là, ça rejoint complètement les tracés des crop circles, parce qu'on est dans des synchronicités incroyables où à chaque fois, tout a un sens. Au départ, tout est inscrit dans un rectangle qui est composé de 8 rectangles de nombre d'or. Après, tu as un immense cercle autour de toutes les pyramides. Et si tu prends celui de Khéops, ben, finalement, c'est comme si tu prenais le diamètre de la Lune et le diamètre de la Terre. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a... Tout est comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que les mesures, elles ont commencé seulement à apparaître après 1900. Oui. Comment ils pouvaient avoir toutes ces mesures et tout avant, construire des monuments gigantesques avec très précis, etc. Parce qu'ils avaient une meilleure mesure que la nôtre. Voilà. Dans le sens où, de toute façon, ils mesuraient avec ce qu'ils avaient, mais ils travaillaient avec un autre outil.
C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'observation des lois cosmiques, etc. Et la plus belle loi de cosmique, c'est le nombre d'or, ça veut dire amour. C'est-à-dire que c'est une force. Quand, par exemple, les fleurs, les pétales ou autre chose, tu les vois, elles se mettent. Tu prends une salade, tu vois, tu vas dire oui, où est-ce que tu vas chercher oui, le nombre d'or. Comme ça. Ouais, bah, tu vas dans une salade. Eh bien, les feuilles, elles sont mises sous forme. Elles respectent le nombre d'or. Pourquoi ? Parce qu'en respectant le nombre d'or, chaque feuille de salade va pouvoir recevoir la quantité de lumière qu'il lui faut pour survivre. Et on parle de lumière encore. Ouais. Ben oui, tu vois, c'est... alors que si on ne suivait pas le nombre d'or, elle ne serait pas installée suffisamment bien. Il y en a une qui ferait de l'ombre à l'autre, etc. Voilà. Oui, ouais. Tout à fait. Le nombre d'or, ça devrait être la plus grande règle sociale. Exactement, exactement. C'est ça, quand j'ai vu ça, on va y aller. On y va. Je me suis dit, c'est une révolution, ce qu'on m'a donné comme image. Ouais, ben voilà. Alors, les anciens, moi, je reviens par exemple à Stonehenge, à Avebury. Et ben moi, ce que j'ai remarqué il y a quelques temps, mais c'est toujours en travaillant sur les crop circles que je fais toutes ces découvertes-là. Mais j'ai découvert que Stonehenge fait environ 33 mètres, 5, un truc comme ça, de diamètre. Mais quand tu le mets pour l'époque, l'époque, c'est des yards mégalithiques, c'est-à-dire des pas. Et le pas, ça faisait dans les 70 cm, tu vois, un pas. Et bien, ça a exactement 40. Et 40, c'est toute une symbolique. Jésus, 40 jours dans le désert, etc. Tu vois, hein ? Ouais, quand tu fais Avebury, c'est 335, un truc comme ça. C'est-à-dire que ça fait exactement 10 fois 40 pas mégalithiques. C'est pour ça que je te dis, ils n'avaient pas le mètre. Mais ils avaient leurs mesures, ils travaillaient avec la main, ça c'était un empan. Et tu avais 5 empans, ça faisait 1 mètre. Mais l'empan des drapiers, c'est-à-dire très vieux, il faisait exactement l'équivalent de 20 cm. Et 5 fois 20, ça fait 1 mètre. Donc ils avaient le mètre bien avant nous. Bien avant nous. Mais est-ce que cette mesure leur a été donnée par quelqu'un de supérieur, forcément ? Ils ne pouvaient pas l'avoir. Oui, aussi, parce que n'oublions pas que ceux qui ont travaillé les chiffres, c'était les mages. C'est pour ça qu'on dit c'est magique. En réalité, il n'y a rien de magique. C'est simplement des mathématiques. Des mathématiques de cœur, moi j'appelle ça. Des mathématiques, une science du cœur, une science de l'invisible. Parce qu'eux, ils allaient chercher ça dans les étoiles. Et toutes leurs mathématiques étaient automatiquement des synchronicités, du merveilleux, du... Donc, il y avait une logique. Tandis que maintenant, à l'école, on apprend à quoi aux gamins ? De la chimie organique, mais sans l'âme, sans rien. C'est-à-dire, tout est dénué. Qui sert à rien, plus. Et donc, après, t'en as, ils disent, oh, j'aime pas les maths. Mais fais des maths avec moi, tu vas devenir fou des maths. Parce que les maths, c'est... Ah oui, là, c'est un envie. Un monde extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est de la musique, les maths, du coup. C'est des maths, bien sûr. Exactement. Musique. Exactement. Aimez les maths, les enfants, c'est de la musique. Et alors, justement, lorsque je suis sur mes livres, là, puisque tu en parlais, et ben en fait, les crop circles, pour moi, c'était un argument. En réalité, je me sers de ça pour faire passer tout le reste, tu vois. Quand j'ai écrit, par exemple, le deuxième, c'était en quête de lumière, là. Oui. Ben, c'est pas un hasard, d'ailleurs, qu'il y a les papillons. Il y a les papillons en même temps. Ben oui, mais c'est pas un hasard, tu vois. Et je parle de plein d'autres choses que les crop circles, mais ça ouvre. D'ailleurs, j'ai été attaqué pour ça aussi, parce que, évidemment, tu défriches, tu utilises… Et le troisième, quand j'ai fait la connexion, celui-là, ah, 333, la connexion 333. Bah, de toute façon, tu as déjà 333, tu vois. Mais c'est que des synchronicités, c'est que des… etc. C'est clair. Donc, je mettrai le lien, évidemment, de Umberto, de Amazon, hein, pour les livres. Ah non, pas Amazon, c'est fini. Ah, c'est pas Amazon, bah, pardon. Non, mais je t'explique pourquoi, il n'y a plus besoin… Sur Amazon, tu peux y aller, mais si tu savais combien ils prennent, Amazon. Non, j'ai mon site direct où ils peuvent. Ah oui, directement sur le site. Pardon, ouais, je mettrai le site d'UmbertoDirectement.com. Ouais, bien sûr, autrement Amazon. Boum. Et directement, on récupère les livres. Alors là, c'est riche de connaissances parce que quand toi, ça fait des années, des dizaines d'années que tu étudies tout ça, que tu prends ton temps en plus pour trouver. Le nombre d'or, ça fait 50 ans que je le travaille, moi. Ben oui, parce que j'ai commencé avec ça. Ben oui. Et tu sais, je raconte dans un de mes livres, j'avais 8 ans ou 7 ans et il y avait un instit qui nous faisait à l'époque, c'était les leçons de choses. Et ce matin-là,
il a pris une pomme et a coupé la pomme dans le sens horizontal et non pas vertical. Ah oui, et d'accord. Il a fait apparaître l'étoile à cinq branches. Oh oui, d'accord. Ah oui, oh là là. Ok, ouais. Ah, mais moi, ça m'a... ça m'a explosé la tête. Ah, d'accord. Surtout que cette année-là, il y avait dans le champ derrière chez mes parents, parce que mes parents avaient acheté une maison comme à l'époque, c'était les maisons qui se faisaient automatiquement dans les champs. Tu vois, et puis, il y avait les champs juste derrière chez moi. Tout autour. Avant qu'ils construisent. Et bien, cette année-là, il y a des gardiens de la paix, on ne les appelait pas les forces de l'ordre, là, à l'époque c'était les gardiens de la paix. Ils étaient là, ils étaient allés dans le champ, ils sortaient. Et puis moi, un gamin, je me suis renseigné, je dis pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, un assassinat, un truc, t'imagines des trucs. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu, alors eux ils appelaient ça comme ça à l'époque, des soucoupes volantes étaient venues atterrir et avaient fait des cercles dans le champ. Oh, bon sang. Dans les années 58, tu vois. C'est là qu'il y a eu des vagues, même en Belgique, d'OVNI et tout ça. Et alors, c'est des cercles de 90, c'est ça? Ouais, non, 58. Avant. Ouais. Ah, donc, en fait, moi, je ne savais pas, mais j'étais au cœur des crop circles, enfin, sans y être. Ah ouais, au cœur du champ. Je suis allé dans le champ, mais j'étais là à cette époque-là, tu vois, en 58. Derrière chez moi, il y a un petit bois. Bon, ça va, ça ne se voit pas, Umberto, ça ne se voit pas. Non, mais tu te rends compte, toi, de tout ce que je me suis reçu. Toi, tu devais être présent là pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Voilà, ben, j'étais tombé dans le chaudron, comme on dit. Tombé de cru, oui. Ah ouais, ça, c'est comme on dit. Hein. Et en plus que je suis né le 25 décembre, après, je me suis dit, bon, ils s'amusent là-haut, hein, ils font des calculs. Hein. Ils font des maths. Ils sont extraordinaires en attendant. C'est vrai. Ouais, ouais. Alors évidemment, dans les villes, dans tes livres et puis bien ailleurs, hein, sur les sites, par exemple, je pense aux photos que je vais poser, que je trouve sur Stonehenge Drone Escape. C'est un drone qui va donc filmer tous les, crop circles qui sont créés au fur et à mesure des années. Donc on voit de très belles choses. Ah, ouais. Sur tes livres, on voit donc les explications de chaque crop circle, l'apparition, combien ils mesurent, qu'est-ce qu'ils peuvent signifier. Parce qu'évidemment, chacun a une compréhension en fonction de ce qu'il va regarder, ressentir. Ouais, mais toi, tu as remarqué que je ne fais pas des livres comme... tu vois, c'est toute une histoire, quoi, en plus. C'est un peu... c'est romanesque, c'est-à-dire... Oui, que mais romanesque, mais c'est ta vie. Brillant, tu ne peux pas t'en sortir. Ouais, mais c'est ta vie, voilà. En plus, j'ai beaucoup aimé parce que tu te donnes dans ton histoire par rapport à une histoire personnelle. Bien tu sûr. Racontes l'amour pour une jeune femme et tout. Alors, oui, mais alors ça, c'est une histoire. C'est une complète histoire. Hein. Ouais, ouais. Voilà, c'est beau. Hmm. Voilà, et c'est donc toute une histoire avec un gars qui n'y croit pas. Et du coup, ça permet de poser les vraies questions. Hmm. Et à l'époque, comme c'était mon premier, il y avait toutes ces alternatives possibles. Quoi. Donc, on les pose avec des personnages et c'est encore plus vivant. Ça. Puis voilà. Hmm. Et le dernier, celui que j'ai fait, là, ça va être... Alors là, par rapport à l'invisible, ça explose là, parce que là, c'est du vécu, ça va être c'est du 100% là. Parce c'est que Isabelle, en plus, avant de partir de l'autre côté rejoindre son fils, on devait faire quelque chose ensemble et elle avait commencé à une centaine de pages où elle parle de tous les messages qu'elle a reçus pour moi par rapport au crop circle de la part de son fils. Donc, on a toutes ces précisions-là, ça va loin, puisque c'est l'invisible qui nous parle, tu vois, et qui donne des explications sur les crop circles, tout ça. Ouais. Moi, la deuxième partie que j'ai fait, c'est quand elle est partie, tous les messages que j'ai reçus, toutes les synchronicités, des trucs de fou que tu reçois dans ce cas-là. Hein, de la je te part, comprends. J'ai vécu ça il y a 2 mois avec maman, alors je te comprends complètement. Ah, bah voilà, tu vois. C'est ça. Donc, on est en plein dans… l'invisible qui se déploie, quoi, tu vois. Et après, la troisième partie, c'est les crop circles vus, donc depuis les dernières années magnifiques, qui sont des messages extraordinaires pour l'humanité et surtout pour la France depuis 2017, y compris donc les lectures qu'on a fait avec,
avec Isabelle, tu vois. Donc, c'est un livre qui est vraiment… Là, ça va être beau. Ça va être, je pense, très profond et très émotionnel, hein, je pense. Oui, là, oui, c'est... oui, par rapport… Oui, très, très différent de l'autre. Ouais, très personnel en plus, parce que là, tu parles quand même de… Voilà, je ne dirais pas que c'est personnel. Non, moi, je ne fais jamais rien de personnel. C'est faussement personnel. C'est universel. C'est-à-dire que tu peux réussir à parler de toi sans être toi. Oui, parce qu'en fait, c'est tout le monde qui vit la même chose. Oui, je comprends. Alors, il y en a qui peuvent dire ah, tiens, il parle... D'ailleurs, le premier livre, c'est une histoire. Alors, un jour, je me souviens, c'était l'éditeur quelque chose comme ça qui dit mais alors. Allez, c'est ton histoire d'amour, tout ça. Moi, je rigole, mais tu ne te rends pas compte, ça n'a rien à voir. C'est moi qui ai inventé tout ça de A à Z. C'est pour l'histoire, c'est pour soutenir le truc, même si, tu vois. Mais c'est ça, le côté roman aussi, c'est te brancher sur l'universel, c'est-à-dire que c'est l'histoire aussi de tout le monde. C'est ça. Tu vois, ça doit parler à tout le monde. C'est pas une biographie, tu vois, comme certains. C'est l'histoire de tout le monde. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est tiré de tes tripes, mais qui est transcendé pour que tu n'as. C'est pas toi qui apparaît dedans. C'est un personnage sublimé. Donc dans mon dernier livre, c'est bien sûr c'est que du vrai, c'est du costaud. Tu tapes, c'est du dur, mais en même temps, c'est de l'universel. C'est pas du. Tu vois, tu mets pas. C'est ça. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est ça. En tout cas, pour conclure concernant ces messages, et c'est, ouais. Moi, je me suis rendu compte donc, que tous ces messages, en fait, ils sont remplis de joie, d'amour, de messages d'espoir. C'est beaucoup d'espoir pour l'humanité. Ben oui, et c'est puis, ce qu'on est en train de vivre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est là, on a la réponse là, petit à petit. Il y a des fois, je me dis peut-être qu'il y aura plus de crop circle et j'aurai peut-être plus rien à dire parce que en fait, c'est assez un peu faux. Mais je me sens maintenant complètement dépassé par une humanité qui a tout compris et puis qui part de l'avant quoi, des médiums, des channels, ça avance, des gens. Oh là là, ça explose. Avance. Moi, j'avais dit que ça viendrait, mais maintenant, ça y est, quoi. Ça y est, on est dedans. Wow. Oui, je pense aussi qu'on est dedans parce que de plus en plus de personnes parlent. Ouais. De plus en plus de personnes parlent. Oui. De personnes osent et n'ont pas peur, entre guillemets, n'ont plus de crainte de dire la vérité. Et ils la disent. Voilà. Voilà. Parce que moi, c'est vrai qu'on me traitait, j'en ai bavé, hein, mais en 2017, j'étais le... Ouais, j'étais le complotiste et compagnie. Et puis, oui, c'est clair. Et puis, avant ça, même dans les années, au début, en 2005, 2006, tout ça, quand je faisais les conférences, mais il y avait tout le temps des gens qui venaient, les fameux zététistes, tu vois, avec des questions débiles. De toute façon, il y avait même le mec du GEPAN qui m'a suivi pendant longtemps, tu vois, pour… D'ailleurs, de dire pourquoi il n'y a pas de sinusoïdes dans les dessins, tu vois, des questions. Encore des questions. Vrai, ramener à la matière des trucs complètement débiles. Bah, ouais. Tu vois, Ça, c'est pour contrecarrer la vérité, bien entendu, forcément. Ils ne trouvent que des biais. C'est ce qu'on appelle les biais. Ils font des biais, c'est-à-dire que dans le cognitif des gens, ils détournent le sens, ils détournent tout. Ce qui fait que les gens bienveillants, ils se font avoir parce que ils ont l'impression que c'est vrai, mais non, c'est un biais. Mais c'est comme ça, c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est voir les biais et ne pas tomber dedans. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je conseille toujours à tout le monde. Hein. Ne croyez personne, croyez en vous. Et quand vous entendez quelque chose qui résonne et qui vous semble logique, parce qu'il faut que ça semble logique, il faut que ce soit positif. Et quand c'est positif et que c'est bon pour soi, on peut se dire « je peux le croire ». Ce n'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi non plus. On est bien d'accord. On ne demande pas de foncer tête baissée pour croire quelque chose. Non, attention, croire. Faut raisonner, faut chercher aussi. Hein. Et croire, c'est ça. Croire, ça ne veut pas dire « je crois » et puis je vais… Non, croire, c'est démarrer une recherche. C'est ça qu'il faut dire. Croire, c'est « je démarre une recherche ». Je ne reste pas sur ma croyance.
rester sur sa croyance, ce n'est pas de la croyance, c'est, non, voilà, c'est de la fainéantise. C'est limitant, et puis c'est limitant. C'est comme on disait dans le temps, quoi, les rois fainéants, tranquille, bougez. C'est ça, en même temps, moi je dis, on ne croit jamais, jamais tout, parce qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Donc, Non. Et alors, tu as dit quelque chose que j'adore, c'est résonance. Parce que si ça résonne en toi, alors le plaisir qu'on a à être avec des gens, c'est la résonance. Parce que même s'ils ne parlent pas, tu vois, simplement leur visage, leurs yeux, n'importe, tout d'un coup, ça résonne en toi. Alors, ça résonne de façon à ce que tu dis, wow, cette personne-là, je ne rentre pas dans le café, je n'y vais pas. Par contre, ah là, je vais y aller. Pourquoi ? Parce que résonance, ça dépasse le mot. C'est vibratoire. C'est des vibrations autour. Faire vibrer quelque chose en toi et ça va te lancer sur une recherche. C'est ça. C'est ça. Tu vois ? C'est-à-dire que tu ne gobes pas un truc. C'est quelque chose qui va... Moi, je suis sûr que j'ai dit plein de choses. Il y a des gens qui vont se dire, ah, mais ça me parle. Tu vois, ça me parle. Ça me parle. Je ne tiens pas à vous donner des trucs, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Rien n'affiche, ce n'est pas ça. Mais si ça te parle, qu'est-ce que tu fais si ça te parle? Ah ben, tu te mets en route, tu te mets en mouvement. Tu dis, bon, bah tiens, j'ai un vieux bouquin, là de, j'ai jamais lu, mais c'est, ça s'appelle Le Nombre d'or. Tiens, je vais regarder. Et puis voilà, c'est parti. Et puis on avance, et puis on continue à chercher, et puis on trouve, et puis on continue, puis on a une soif jamais étanchée, jamais. Et c'est ça, la connaissance, c'est le début de la prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience sans connaissance. Il ne faut pas nous raconter. Alors évidemment, la connaissance, ce n'est pas dans les bouquins, hein, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas en écoutant que des vidéos, ce n'est pas ça. La connaissance, c'est être en résonance avec le monde. Et prendre les choses. Tu sais, chez les Tibétains, ils sont en résonance sans rien dire, tu vois. T'as maître qui s'est juste qui le là, home. Et t'as le disciple qui est à côté, et lui juste transmet par vibration son savoir. Et c'est fou ça, parce que le home, par exemple, le home, moi je me suis vue, je sais plus, il y a 2 ans, chanter le home toute une matinée. Il fallait je faisais ça pendant 2-3 heures d'affilée, le home. Et j'ai l'impression que ce home, il rentrait dans ton corps, il était tout autour de toi, et c'est une résonance fabuleuse. Et que ça, que ce mot. C'est impressionnant quand même, tout ce que ça porte. Ben bien sûr, ça fait incroyable, quelque chose en toi, et puis tu sais pas, mais moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, quand j'avais 20 ans, j'avais un peu plus, j'avais des soucis, tout ça, puis bon, j'étais en recherche, je faisais ce qu'on appelait du Siddha Yoga, c'était du chant, c'est-à-dire du yoga, mais par le chant. Donc, c'est un chant qui dure une demi-heure. Ben, c'est des mantras, tu vois. Et ça va de plus vite, etc. Ça fait du bien, les mantras. Tu vois, c'est indien, quoi. Hein. Om Namah Shivaya, tu vois. C'est un peu comme ça. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est des chants, tu vois. Et je ne savais pas pourquoi, mais toute la semaine après, j'avais comme des ouvertures de conscience. Je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai compris que c'était ça. C'était cette source, ce moment-là, il y avait des choses que je prenais en résonance, je ne savais pas, et puis, toc, ça se débloquait. Et puis, j'irais même jusqu'à dire que, comme là, quand tu envoies quelque chose en résonance, tu envoies comme ça, par le champ, et à un moment donné, tu vas recevoir, comme ils font, eux, avec leur crop circle, tu leur envoies un message et ils te répondent. Alors, c'est magnifique, parce que ça, c'est la phrase de Valentin, quand donc le fils... d'Isabelle qui communiquait des messages et qui dit à un moment vos chants, parce qu'on avait chanté dans une vos chants viennent vers nous et nous le renvoyons dans vos chants avec un P. C'est-à-dire, c'est joli. C'est bien. Hein. L'énergie de nos chants qu'on faisait là-bas ensemble, les hommes et tout, faisait résonner chez eux une énergie qu'ils renvoyaient dans les chants. Dans les chants. Eh bien, alors justement, Roberto, tu sais ce qu'on va. Je vais te demander. Ouais. Je vais envoyer une prière et demander à Umberto et aux cartes d'Umberto. Est-ce que tu as un oracle sous la main? Oui, bien sûr, je l'ai préparé. On va demander, envoyer une prière et demander à ce qu'il nous envoie une réponse aujourd'hui, ici, maintenant, par les cartes d'Umberto, par une carte. Et nous donner leur message aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui? Alors, je les montre à les cartes. Ouais, elles sont belles aussi. Les cartes.
Elles vont pas tarder à arriver chez moi, celles-là aussi. Ouais, c'est voilà, tu vois. Ça, c'est la première. Hein. C'est que les crop circles, hein, avec les messages. Ben, c'est ça, voilà, avec les messages, etc. Alors, on bat. Voilà. On leur a envoyé la demande. Voilà, on a envoyé la demande. On se connecte et on demande une réponse aujourd'hui pour nous tous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin. On va avoir une réponse par les... Par les crop circles. Tu vois, c'est par l'éclipse. Alors, voilà, alors je montre, c'est crop circle qui représente une éclipse. D'accord. Derrière, derrière, il y a une petite analyse, parce qu'il y a eu d'autres dessins en forme, et il y a le message. Alors, message, ça va te plaire. c'était dans le Wheelchair, hein, toujours. Eh bien, c'est vous rayonner. Vous rayonner. Alors, je te lis le message. Oui, vas-y. Alors, mettre mes lunettes. Mets donc tes lunettes. C'est alors, mieux. Il y a une petite explication, donc c'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Terre, Lune, Soleil, parce que c'est par rapport aux éclipses, tu vois, donc un peu comme le crop circle dont on parlait qui est apparu donc, il y a quelques jours. Donc, alors, la Terre qui rayonne comme un soleil, c'est dans le dessin hein, qui apparaît comme ça. Alors, c'est la joie, la fierté et la satisfaction. Fierté. Je disais vous la fierté rayonnez. Tout à l'heure. J'étais fière de vous. Ils sont fiers de nous, les enfants. Vous rayonnez, vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y arrivez. C'est beau, hein ? La Terre vous accompagne. Ah, elle est derrière toi. T'as vu un peu ? Wow, ah, merci bah oui. D'ailleurs. Elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension qui a commencé depuis quelques années et qui s'accentue de jour en jour. L'éclipse du 21, donc là il s'agit du 21 août 2017 dans le cadre de ce crop circle, l'éclipse du 21 août 2017 donc, est un signe très fort, des portails d'énergie s'ouvrent à vous. Et ça rejoint le questionnement tout à l'heure par rapport à la prochaine éclipse. Donc, voici la réponse, les enfants. La joie, rayonnez votre lumière. Voilà. Je disais, vous êtes sur le chemin de l'ascension. Les Arthuriens le disent tous les jours. Quand je fais les messages canalisés de traduction de Daniel Scranton, c'est incroyable comme il parle de ce que l'on vit aujourd'hui et de tout ce qui nous communique par les crop circles. Et aujourd'hui, merci Umberto d'avoir été là pour nous dépatouiller un petit peu tout ça parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'un crop circle. J'espère qu'on vous a permis de savoir un peu plus là-dessus et puis de continuer à chercher, à comprendre par les livres, par les vidéos. Umberto fait des superbes vidéos aussi, très simples, très douces. Il donne ses sentiments sur ce qui se passe. Il fait ses petits tirages de cartes et j'ai trouvé ça charmant. Alors, c'est pour ça que... Il ne faut pas oublier une chose, je te complète. Hein. C'est que le crop circle, alors c'est ça aussi qui m'a valu quelquefois des soucis avec ceux qui programmaient des conférences ou ceux qui me faisaient comme Nura TV. C'est qu'ils n'aimaient pas trop... que je lis le crop circle avec l'actualité. Or, c'est fondamental parce que le crop circle, c'est fait pour te faire bouger dans ton actualité, dans ta conscience, dans ton quotidien. Mais si c'est pour en parler, comme ils voulaient, les petits dessins, les petits oiseaux, et puis que personne ne bouge et tout le monde se couche comme il s'est levé le matin, c'est pas la peine. Parce qu'ils sont là pour nous donner un message. Et dans message, c'est faut que ça bouge. Et ils sont beaux ces messages en plus, Umberto. Ils sont beaux. Ben oui. Ils sont beaux leurs messages. Ils sont encourageants. Ils sont encourageants. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est beau. C'est beau en géométrie, mais c'est pour ça, je vous dis, faut s'y intéresser parce que c'est de l'émerveillement. Et c'est grâce à l'émerveillement qu'on s'éveille. C'est ça. Moi, ça a toujours été ça quand je faisais mes conférences, c'est toujours ça, c'est montrer le beau du crop circle pour
émerveillé. Et puis, ce n'est pas que c'est que les crop circles, c'est que c'est des êtres qui sont là-haut, qui sont derrière nous, qui nous aident. Quoi. Et c'est tout en même temps. Voilà. Donc, c'est de l'émerveillement. Si tu n'es pas émerveillé, comment veux-tu t'éveiller? Ce n'est pas possible, puisqu'on t'endort. Et puis, comment veux-tu être heureux aussi? Il faut être émerveillé pour être heureux. Et tu ne peux pas être heureux non plus. On t'endort. Parce que ça fait des milliers d'années que ça a commencé, hein, etc. Là, ça s'accentue, on arrive à la chute. Mais c'est, voilà, c'est la belle au bois dormant. Voilà. Elle est endormie. Oui. Elle attend. Mais elle se réveille. Elle se réveille. Il y a les princes charmants là-haut qui nous ont réveillés heureusement. Et puis, merci à eux quand même. Hein, parce que franchement, s'ils n'étaient pas là pour veiller sur nous, pour nous encourager, pour nous donner plein de choses comme ça. Tiens, je pensais aussi à autre chose, parce que tout ça, ça en fait partie. C'est Blanche-Neige. N'oubliez pas que Blanche-Neige, elle croque la pomme. Ouais. La pomme, c'est Apple. C'est les ordinateurs. Ah. Et c'est du poison. Et il y a les 7 nains. Et ils sont 7. Tu vois, allez chercher. Et alors donc, la sorcière, devinez qui c'est, bien sûr. Hein, on la connaît. Et l'état profond. Et donc, la pomme, c'est l'information, puisque Apple a repris. Hein. L'information. Vous remarquerez que les Beatles, quand ils ont fait Apple, ils ont pris, c'est une pomme pleine. Elle n'est pas mangée. C'est ça. Comme celle tu vois. Il y a plein de sens, en fait. Il y a plein de sens. Hein. Il y a beaucoup de messages subliminaux dans tout ça, en fait. Hein. Ben oui. Plein de messages subliminaux pour nous endormir, pour nous faire endormir, nous endormir. Voilà. Et donc, nous, il faut, par la merveille, l'émerveillement, on s'éveille. C'est pour ça qu'on regarde les crop circles. Si vous voulez vous émerveiller, mettez un crop circle sur votre fond d'écran que dès que vous allumez l'ordinateur, vous avez un crop circle qui vous envoie deux bonnes énergies, qui vous envoie des codes de lumière, des clés de compréhension et de la connaissance. La connaissance de l'amour, parce que c'est par amour qu'ils font ça. C'est moi, j'ai fait des cartes bon, il faudrait que je refasse peut-être, mais je verrai si j'ai un jour des commandes. Mais quand je faisais mes conférences, parce qu'avec le Covid, il y a plein de choses qui ont changé. Et les cartes, il suffit de les mettre. Par exemple, moi, j'ai trois cartes qui sont dans ma cuisine. Et c'est là que je mets l'eau et tout ça. Et ça se recharge. Oui, ça se recharge. Oui, d'accord. Mais dans le dessin que tu as derrière toi, tu l'as pas mal. Tu mets tes bouteilles d'eau et tu fais du Masaru Emoto. Y a tellement d'énergie dans tout ça, en fait. C'est clair. Hein. C'est clair. Il faut travailler avec tout ça. On a plein d'outils maintenant. Mettez-vous au boulot. Ah ça, on en a des outils. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Donc, choisissez celui qui vous convient le mieux, évidemment. Hein. Ça peut être les énergies de tout type, hein, mais c'est de toute façon toujours la même énergie. Moi, c'est vrai que j'ai été formée à celle du Reiki. Hein, mais moi aussi. Toutes les énergies sont identiques, c'est la même énergie universelle. Donc, moi aussi, il y a très longtemps hein, déjà maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'était très important hein, de démarrer. C'est comme tout, il faut y croire et après dépasser. C'est ça. Les cartes, même un livre, hein, quand on l'ouvre et qu'on le lit, il y a des compréhensions qui arrivent, et ça modifie votre compréhension dans l'ADN, c'est profond. Même un livre, il a des codes. Parce qu'on l'écrit, mais des fois, on est transcendé par autre chose qui vous amène ça. Donc, on transmet des messages, nous aussi. Ouais. Moi, en écrivant, je transmets des messages, donc forcément, ça vient d'en haut. Donc, si ça vient dans votre ADN, ça va vous changer. Voilà. Il faut du changement. Automatiquement. Il y a une énergie. C'est pour ça que, bien sûr, c'est pour ça que ça… un jour, il y a quelqu'un qui disait « Waouh, c'est chaud, là !» Je dis « Bah oui, c'est l'énergie des bouquins, parce que c'est tous les crop circles qu'il y a dedans, et t'as l'énergie. » Donc, évidemment, quand tu lis un livre où tu joues avec ton jeu de cartes sur les crop circles, tu manipules, tu les as tout le temps avec toi. C'est comme si tu faisais un coup de bol tibétain aussi. C'est clair, hein. T'as à chaque fois donc ces énergies, elles transmettent des choses invisibles qui viennent mettre en résonance ce que t'as à l'intérieur de toi, quoi. Et puis qui vient de là-haut. Voilà. Et on transmet tout ça du mieux possible. Écoute, merci Humberto d'être passé nous voir. Voilà, écoute, par oral, je vais simplement dire, allez sur le site qui est tout simple, hein, on le réécrira. C'est le titre du premier livre, j'ai toujours gardé toujours la même chose, c'est cercle, au pluriel évidemment, cercledanslanuit.com.
Je mettrai en dessous, de toute façon, ne t'inquiète pas, je le mets dessous. Non, mais c'est bien, c'est mes doigts, tu vois, c'est tellement simple, le cercle dans la nuit, tu vois. Bon, c'est ça, très bien. Bon, ben écoute, merci Umberto d'être passé nous voir. J'espère qu'on se reverra pour continuer à parler. Cette année, il va y avoir, on vient de démarrer une saison de Crop Circle, on n'a même pas parlé de celui qui est apparu en Italie, mais peu importe, hein, mais... il y a quand même, bon, faut le savoir qu'il y en a eu un, le tout premier est en Italie, qui parle de l'éclipse aussi, d'ailleurs, celui-là, hein, c'est un grand cercle, à la limite, tu pourras le mettre, tu vois, et il y en aura, il va y en avoir d'autres, donc… Combien il y en a à peu près Ça change d'année en année. Par saison. Ça change d'année en année. Il y a une année, figure-toi, c'est dément, parce que là, actuellement, les derniers temps, je ne sais pas, il y a dû y en avoir une vingtaine l'an dernier, mais moi j'ai connu une époque où j'étais parti en 2009 par exemple avec un ingénieur qui travaillait sur les ondes scalaires, tout ça, on prenait de la terre et tout, hein, là c'était vraiment des analyses, et ben on avait fait sur 5 jours 53 crop circles. Ah, 53 quand même. Ok, bon, bah, écoutez, sur ce, merci beaucoup, Umberto. J'espère qu'on se reverra pour parler de ça et puis d'autres choses, parce qu'évidemment, l'actualité, elle n'est pas que les crop circles. Quand on est dans tout ça, il se passe plein de choses, en fait. Dans l'invisible et l'invisible, il se passe plein de choses. Voilà. Ah oui, en ce moment, il se passe plein de choses. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. C'est rayonnant. Ça apporte beaucoup de joie. Et, principal, hein. C'est ça le... C'est ça justement la résonance, hein. C'est se savoir qu'on est déjà en lien. On s'en rend, moi, je m'en rends compte, on est déjà en lien avec ceux qui nous regarderont. Tu vois. Eh oui, tout à fait. Moi, on est tous reliés les uns les autres. C'est une belle petite fraternité, c'est pour ça qu'on est en joie. Moi, je le sais, dès que je sais où ça va aller, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. C'est comme si c'était de la télépathie. Je ressens automatiquement les gens qui sont derrière et qui vont être contents. Alors, de nous voir. Il sort quand le prochain livre en principe? Après les vacances. Est pratiquement fini. Bon, on se revoit pour la rentrée pour en parler alors. Il sera sur le site. Ça marche? On fait comme ça? Ouais. Parfait. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Vous la regarderez en replay si vous n'avez pas eu le temps. En tout cas, c'est toujours... un plaisir d'être là avec vous et de pouvoir partager tout ce que j'ai dans le cœur, tout ce que les invités ont dans leur cœur et tout ce que le monde et l'humanité et nos frères et sœurs des autres galaxies ont dans leur cœur aussi. Parce qu'en fait, on ne fait qu'un. Et on partage tout ça ensemble. Merci. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Je vous embrasse.